Vice-président du conseil départemental, madame la conseillère départementale pourrait être là aussi, madame Brunet. Je remercie aussi Jean-Noël Lose, qui est le responsable départemental de la culture, conseiller départemental aussi. Je remercie de ta présence. Merci. Donc j'excuse l'absence d'André Violent, le président du conseil départemental, qui est représenté par Patrick. Donc. Mais André sera avec nous ce soir pour le repas Laurent. Voilà. Il remplacera Patrick. Il faut un échange. Mais je préfère être à sa place que la tienne. Merci mon cher Patrick pour l'aide de ta municipalité que tu nous apportes tant sur le plan technique que financier. Merci au conseil départemental que tu représentes ici donc. Et merci aussi à Hélène Girard, adjointe au maire de Castelnaudary et conseillère départementale régionale de la nouvelle région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Merci mesdames et messieurs d'être ici présents et merci au président Beau et à ses collègues invités qui vous présentera tout à l'heure, quand je l'espère. De même, je salue la présence de notre philosophe forain. Il est passé, Alain Grillard. Il est tout petit, on le voit pas. Qui nous a fait une brillante démonstration jeudi à la salle Marfan, avec d'excellents dessins, et on a passé une soirée, on ne peut plus agréable. Il est là, Alain ? Il est là-bas, mais ils sont timides. On y viendra tout à l'heure. Et approche-toi, Alain. Voilà. Allez. Merci beaucoup, Alain. Merci. Chloé est parmi nous, à nouveau, et on la remercie. Tu sais qu'on pense tous à notre grand Pius. Merci d'être là, avec ton papa, une fois de plus. Et puis, vous verrez qu'il y a un dessin vraiment prémonitoire dans son tableau là-bas. Hein, voilà, je vous dis, si t'en dis pas plus, vous le regardez. Président. L'année prochaine, écoute, si ça continue, je quitte la salle. Alf, le créateur de ce festival, est avec nous. Ainsi que Moine, que j'ai aperçu tout à l'heure, qui sont venus nous rejoindre. Hein, parce qu'ils savent qu'à Castelnaudary, on passe du bon temps. Donc ça nous fait plaisir, Moine, que tu sois venu nous rejoindre aujourd'hui. Et que tu participes à notre fête. Martine Mauvieux est là aussi. Martine, c'est la représentante de la Bibliothèque nationale de France, qui est responsable du dessin de presse, et qui... Je sais pas, Martine, elle est là-bas au fond, mais vient avec nous aussi. Hein. Et qui nous a fait le plaisir de venir partager quelques moments avec nous, même si elle repart assez rapidement, Martine. J'espère que l'an prochain viendra un petit peu plus longtemps. Alors, nos amis de Saint-Just sont là, il y a Fofo et Flo et Fifi. Excusez-moi, Flo, si tu nous écoutes. Bon, on regrette l'absence du président du festival, hein, Gérard Van den Broek, qui en tant que vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine a d'autres obligations. Mais on pense à lui aussi. Moi, je n'oublierai pas les croquignous, bien sûr, hein, sans qui ce festival n'aurait pas lieu, et qui n'ont pas été épargnés non plus. Hein. Nous pensons à Jean-Marie et Evelyne. Bon, je n'oublierai pas dans mes remerciements nos partenaires privés, et bien entendu, comme d'habitude, nos amis du Malepère. Je précise que l'alcool est bien sûr sévèrement réprimé ici. Enfin, merci aux enseignants et à leurs élèves, les lycées, collèges et écoles élémentaires du Lauragais. Vous avez vu les dessins qui sont d'une qualité extraordinaire cette année encore. Et ils ont été très nombreux. Hier, ils ont passé une semaine, une journée avec le dessinateur, je pense qu'ils se souviendront. D'ailleurs, certains sont revenus ce matin. Ah, les psychiatres ont du boulot. Et,
Et nous avons, avec GMC, fait le tour des lycées. Nous avons rencontré aussi un accueil très intéressant. Voilà, alors, le thème, je ne l'ai pas dit, mais il va vous le dire, c'est Jeux interdits. C'est marqué sur une superbe affiche, d'ailleurs, que nous avons avec l'aide de l'imprimerie du Lauragais et de Graziella en particulier, mis au point assez rapidement, même si ça a été un peu difficile au niveau des couleurs. Et donc, ben écoutez, j'ai plus rien à dire, moi. Je vais vous dire, rien ne va plus, les choses sont faites. Voilà, merci. Oh, bravo. Je reviendrai tout à l'heure. Parce que, quand tout se... Enfin, à la fin, parce que j'ai... Vous savez, il y a une remise de cadeaux, une chose comme ça. Hein? Alors, je laisse de la...